Salam alaikum, chers petits farfadets nationaux. On remarque bien, n'est-ce pas, même si Ganesh multiplie les concepts, il faut qu'il rappelle le taulier de temps à autre. Bon, aujourd'hui, nous allons jouer à Resident Evil 4. D'ailleurs, je remercie Capcom pour le code du jeu. Capcom, voilà, vous êtes le sang contaminé. Ah, mais c'est parce qu'il y a des zombies, il y a des virus. Ah, aucun rapport avec une affaire de santé publique des années 90. Alors, dans ce Resident Evil 4, n'est-ce pas, on n'est plus à Raccoon City, la ville des ratons, laveurs, je précise. Et nous sommes dans une espèce de petite bourgade en Espagne, n'est-ce pas, le village natal de Manuel Valls. En tout cas, s'il a grandi ici, ça explique tellement tout. Alors, il semblerait qu'au début, je joue Léon Kennedy, n'est-ce pas, de la famille, je sais pas vraiment. Espérons que lui, il ait un peu de plomb dans la tête. Et je suis censé, dans cette petite bourgade d'Espinguines, n'est-ce pas, retrouver la fille du président des États-Unis. Excusez-moi de vous le dire, n'est-ce pas, mais je cherche la merde. C'est comme si les filles d'Obama étaient parties en Afghanistan pour les vacances. Hey, qu'est-ce qu'il me veut, Pépito? Le Tour de France, il a débuté à partir de chez vous cette année. Vous êtes pas content? Mais c'est qui me fait mal avec sa fourchette? Et voilà, uno, dos. Ah, y a pas 13 cette fois. Ah, oh, mais j'arrive pas à viser, hein. Faut croire que les Kennedy, ils sont bons pour recevoir des balles, mais pas pour en lancer. Allez, un coup de couteau, y a que ça de vrai. Y a que ça qui comprend, de toute façon. Je me permets de vous partager mon analyse, n'est-ce pas? Pour moi, les Espagnols, c'est juste des Arabes qui mangent du porc. On comprend rien à ce qu'ils disent, et chez eux, il fait chaud. Voilà, c'était Jean-Marie Décrypte. Abonnez-vous pour plus d'analyse. Oh, mais c'est quoi ces pièges à loups, là? On est où, là? C'est vraiment ça qu'on laisse entrer dans l'Europe? C'est quoi ces méthodes de l'ancien temps? De toute façon, les Espingouins, dans leur paella, là, ils mélangent du poulet et des crevettes. Ça, c'est bien la preuve qu'ils seront pas faits comme nous. Ah ben faut croire que chez eux, ACAB, ça veut dire All Cops Are Barbecue. Allez, je vais éviter de gâcher mes munitions sur Conchita, on va la jouer furtif. Allez, te quiero la mañana, me gustas tu. Manu Chao, un excellent chanteur que l'on salue. Ah, il paye en pesetas. Et moi je pensais que les espinguinos, ils étaient passés à l'euro. Mais on n'est pas à la Japan Expo, j'ai pas demandé de frioc, dégage. Ah merde, j'ai plus de couteau maintenant. C'est con, il y avait mon nom gravé dessus. Ah non mais lâchez-moi, non me gusta, non me gusta, Juan, au secours. Merde, c'est comme ça qu'on dit. Bon ben j'ai perdu. Putain, elles ont l'air sympas ces bottes, faudrait qu'ils me filent la marque. Ah ouais, je connais, c'est des Doc Martinez. Bon, je suis le fondateur du Front National, oui ou merde, alors on va y aller frontalement. Allez, uno, dos, tres, Ah merde, j'ai plus de balles, c'est la S. Un, dos, tres, j'ai plus de balles, c'est la S. Ah mais oui, mais je le reconnais lui, il est dans Scream. Dites donc Capcom, hein, votre jeu c'est plutôt Vamos à la plagiat là. Bon, PTDR, c'est Resident Evil 4 ou c'est Emmanuel Macron Meeting Simulator là? J'ai jamais vu autant de gens qui me détestaient depuis... Non, en fait je suis habitué. Ah super, une porte. Ah merde, c'est fermé. Bon, faut que j'esquive, on dirait les polémiques sur Twitter, tout ce merdier. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple d'élèves de CM2? Quand la cloche sonne, c'est bon, ils arrêtent de faire des bêtises? Puis c'est quoi ce symbole sur votre église, là? Vous avez crucifié Dalcim ou quoi? Bon, les autochtones, ils sont tous partis faire la prière ou je sais pas quoi, donc moi, je peux enfin explorer. Ah, je suis certain que si je tue ce poulet, je vais recevoir quelque chose en retour. Ah. Bon. Non, je sais pas, c'est dommage. Nous, les tortures en Algérie, après, on avait une info, on avait un truc. On faisait pas ça que pour le plaisir. C'était avant tout du travail. Quoi Capcom, mais vous vous foutez de ma gueule? Là comme par hasard, la porte, j'ai qu'à la pousser pour l'ouvrir? C'est comme quand t'as envie de rentrer chez toi très vite pour faire la grosse commission et que tu ne retrouves pas tes clés. Et ça a un nom scientifique, ça s'appelle le syndrome du paillasson. Maintenant j'aimerais bien, n'est-ce pas, qu'on trouve le nom du syndrome de tous ces fils de pute qui trouvent des noms au syndrome. Pas justement le syndrome des fils de pute. Ah tiens, c'est intéressant ça, dans ce jeu, ils ont mis des petites quêtes annexes que l'on peut finir. Là par exemple, il faut que je tire sur des médaillons bleus et ma récompense, ce sera une spinelle. Ah, puis Resident Evil, ce sont aussi énormément d'énigmes. Là par exemple, il faut que je trouve une roue crantée, mais comme par hasard, je n'ai pas les crantées. Quoi, ils ont pas un peu plus de vocabulaire, mais même moi je parle mieux en espagnol.
Hola, me llamo Jean-Marie. A mí no me gusta los Maoros. Cherchez pas ce que ça veut dire, vous serez choqués. Hey Capcom, mais vous êtes sûr qu'on n'est pas à Japan Expo? Non, parce que ce gars-là, il est cosplayé en un manga que je connais pas et que je m'en fous. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ah bon, quelque chose de nouveau avec un remake d'un jeu qui date de 2005? Ah, mais oui, ça c'est ce qu'on appelle de la nouveauté, Capcom. Avec les pesetas accumulées sur les cadavres de mangeurs de chorizo, n'est-ce pas, on peut améliorer ses armes afin de faire encore plus de dégâts. Et j'ajouterais même que quand ces dégâts sont magnifiques, ce sont même des beaux dégâts. Vous savez, le truc d'espagnol là, c'est beau, hein? Non? Ah, ça pour regarder un blaireau manger des tacos, il y a du monde, mais pour avoir un peu de culture, il n'y a plus personne. Il y a quand même autre chose qui relève absolument du plagiat, n'est-ce pas? C'est que la gestion de l'inventaire, n'est-ce pas, se fait avec cette petite interface qui n'est pas sans rappeler le jeu communisto-soviétique Tetris. Mais franchement, ce système est complètement débile, vous allez me dire que là, en dessous du fusil, il n'y a pas de place? Hein, et que là, non plus, je peux pas mettre cette arme qui fait la même taille, et là, en dessous du... Non, mais c'est n'importe quoi! Oh, mais ça devrait pas être aussi compliqué! Je suis habitué avec mon œil de verre! Quoi, donc là, maintenant, ça y est, je peux déverrouiller cette porte? Alors que de l'autre côté, j'aurais bien pu faufiler 2-3 doigts pour ouvrir ce loquet! Vous savez quoi, ça ne me gêne absolument pas, n'est-ce pas, qu'il y ait des zombies qui ont voté pour Manuel Valls dans ce jeu qui nous court après! Mais le fait qu'on ne puisse même pas ouvrir une putain de porte en mettant 2-3 doigts entre deux barreaux, ça, c'est tout de même mettre ma suspension d'incrédulité à l'épreuve! PTDR, même les corbeaux lootent des pesetas! Eh, mais c'est quoi ce Digimon qui m'attaque, là? Ah, mais c'est quoi ça encore? Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Dans ce jeu, n'est-ce pas, on peut trouver à la fois des reliques et des pierres précieuses, que l'on peut revendre chacune individuellement, mais on peut aussi les fusionner, n'est-ce pas, afin de donner plus de valeur à ces reliques et de les revendre pour une plus grosse somme. Excusez-moi, j'ai vu assez d'épisodes de Pawn Star pour savoir que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. L'achète pas, Rick, je suis sûr que c'est pas d'origine. Je m'y connais, je suis presque aussi vieux que ce truc-là. Nouvelle requête, et ce coup-ci, on m'a demandé de tératiser. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Mais si je puis me permettre l'expression, t'es mal à taille du rat. Oui, je sais bien, nous sommes en 2023, plus personne ne s'exprime comme ça, mais quand même, là, on était dedans. Oh, la pauvre bête, mais ça me fend le cœur. J'espère qu'à la fin du jeu, il se rendra utile et il me paiera la dette qu'il me doit. Oui, ben moi aussi, j'ai un cœur. La cruauté envers les animaux, ça, j'aime pas. Par contre, envers les êtres humains, des fois, il faut. En tout cas, une chose est sûre, n'est-ce pas, chers petits farfadets nationaux, c'est que ce Resident Evil 4 est tout à fait goldé, même si je n'en donne pas l'impression, et que surtout, il a une très très grande rejouabilité, par le truchement de tout un tas de défis que vous pouvez essayer de relever, défis qui vous feront gagner une monnaie spéciale, qui vous permettra, lors de votre deuxième ou troisième partie, de complètement changer la donne. Mais Resident Evil 4 est sorti il y a longtemps. Et moi, j'étais pas encore mort. Et là, ils font un remake. Je serais curieux de voir le remake du 5. Alors, Black Lives Matter ou pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Non, je veux pas être vacciné. Non, je veux pas de première dose ni rien du tout. Non, je veux pas recevoir la 5G. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Et si jamais moi je meurs dans les mois qui arrivent, j'espère que Ganesh me fera pas revenir comme un zombie!
N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu. Ouais, Resident Evil, ça rime avec ferme ta gueule.